Le groupe donc de Emmanuel, non, je ne sais pas, je ne l'appelle Emmanuel, mais tu n'as pas... Non, c'est Victor Valentin. Alors, Victor, Valentin et Corentin. Voilà. Donc, ce groupe, que propose, qu'est-ce qu'il nous propose comme nouveau? Alors, on propose un jean chauffant comme ça. Un jean chauffant. Le concept est bien de créer quelque chose. On parle vraiment de rien. Au départ, la problématique, c'est nous qui l'avons un peu inventée. Elle ne correspondait pas vraiment. Valentin, il avait souvent froid en jean, Corentin plus en moto. Moi, je ne me sentais pas concernée, mais je me suis pris au jeu. On a essayé vraiment de faire un truc le mieux possible. Pas parfait, parce qu'on peut pas. On n'a pas tout. Mais voilà. Essayez de donner, illustrer de manière ludique et très visuelle votre concept, parce qu'il est très intéressant. Moi, je pense que ça peut nous aider à nous projeter dans l'avenir si on fait, si on reste dans ces études-là, quoi, pour créer sa propre entreprise. Si on découvre le fonctionnement d'une entreprise, comment ça marche, qui travaille dedans, etc. Puis on fait un pas vers ça, parce que on se met quand même à leur place. Acteurs, les jeunes sont vraiment acteurs dans leur projet, ils travaillent en autonomie. Nous, en tant qu'enseignants, n'étant pas profs de découverte professionnelle, on les accompagne. Vraiment, on leur dit qu'on est des animateurs plutôt que des enseignants. Et donc, cette relation, c'est bien aussi, puisqu'on est égal à égal, on va dire. Le programme est très, très, très enrichissant pour eux. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'être en autonomie, ça leur plaît énormément. C'est pas l'enseignant qui arrive avec toutes ses connaissances. Non, c'est eux qui sont plutôt demandeurs après. Donc ça, c'est intéressant, y compris pour nous, enseignants. Rencontrer des professionnels, c'est pas à la maison, forcément, qu'ils vont entendre parler de tout ce qui se passe sur le milieu professionnel. Donc ça, c'est intéressant aussi. Même avec la créatrice du projet, là, c'est les échanges, c'est bien, puisqu'elle travaille aussi avec des étudiants. Alors pour eux, c'est aussi les valoriser, se dire qu'ils sont grands comme les étudiants, donc c'est la même démarche, etc. Alors ça fait ma deuxième année. Bon, j'ai choisi le projet de gants pour aspirer les poils d'animaux. Donc je vais aider le groupe à développer ce projet et essayer d'avancer dans le concept d'entreprise et comment le mettre en place. Bon, ils ont fait une présentation vidéo. Et j'ai trouvé l'idée intéressante parce qu'on est tous, tous les gens qui ont des animaux doivent faire face à ça. Et leur présentation vidéo, j'ai trouvé assez dynamique, plein d'entrain. Donc c'est ce qui m'a fait pencher vers ce projet. Alors mes attentes, c'est juste un peu de les guider vers la conception d'une entreprise, de leur faire comprendre comment ça peut marcher et que c'est pas juste un produit, il y a beaucoup d'activités, de métiers autour d'une entreprise. Des équilibres financiers à trouver, des fournisseurs à trouver, des clients à trouver, savoir présenter le produit, le mettre en marché. Donc c'est ça que je vais essayer d'apporter à leurs idées, quoi. Qu'est-ce qui m'étonne leur dynamisme, je crois qu'ils ont plein d'idées. Après, c'est les mettre en place, ça c'est un peu plus dur. Mais déjà, qu'ils sont un peu curieux de comment fonctionne une entreprise, c'est déjà super intéressant pour les enfants. Les aider à comprendre le monde économique, c'est pas toujours si évident pour les enfants assez jeunes finalement.